Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler de Xavi Hernandez et du FC Barcelone. Cela ne semble désormais être plus qu'une question d'heure avant de voir Xavi être nommé entraîneur du FC Barcelone et le retour de l'Espagnol en Catalogne pourrait amener certains changements au visage du Barça. Alors les frérots, dans cette vidéo, on va voir comment sera le Barça sur l'ère Xavi Hernandez. Alors si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et les frérots, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. On est parti. Le nouveau cycle va vraiment pouvoir commencer au FC Barcelone. Alors que João Laporta n'avait pas choisi Ronald Koeman comme entraîneur, il va désormais pouvoir installer celui qu'il veut sur le blanc blanc au Ghana. En effet, ce mercredi, suite à la nouvelle défaite du Barça, le Néerlandais a été démis de ses fonctions. Lui qui avait pourtant été confirmé dans ses fonctions il y a quelques jours encore, la sanction avait donc tombé. Ronald Koeman n'est donc plus l'entraîneur du FC Barcelone et désormais la question est de savoir qui viendra le remplacer. Bien qu'il ne semble pas trop y avoir de suspense alors qu'un entraîneur intérimaire a pris le relais lors de quelques matchs, c'est ensuite Xavi Hernandez qui pourrait débarquer au Camp Nou et faire son grand retour en Catalogne. Jusqu'à présent, l'ancien joueur du Barça officiait sur le banc d'Al Sadd au Qatar et après y avoir fait ses gammes, il est désormais attendu dans les prochains jours dans son club de cœur. Xavi Hernandez aura donc la mission de lancer réellement le projet de João Laporta et on commence à y voir plus clair à ce sujet. Sous l'impulsion de Xavi, cela pourrait donc changer au FC Barcelone et ce dans différents aspects. Cela pourrait notamment commencer d'un point de vue tactique puisque l'Espagnol a montré à Al Sadd qu'il pouvait utiliser différents systèmes et certains pourraient bien coller au jeu barcelonais. Il faudrait ensuite faire adhérer les joueurs du Barça à cette philosophie et Xavi aurait visiblement déjà quelques idées en tête concernant les joueurs qu'il veut utiliser et qu'il veut également recruter. En effet, selon les informations de Gérard Romero, il voudrait notamment amener une défense centrale rapide et pour répondre à ce besoin, il regarderait au FC Séville avec un certain Jules Koundé, autre joueur qui plairait bien au futur entraîneur du FC Barcelone, Raheem Sterling, actuellement à Manchester City. Le Britannique est déjà dans les petits papiers des Blaugrana et cela pourrait donc accélérer les choses. Sterling pourrait donc venir renforcer les couloirs, un secteur de jeu qui semble tenir au cœur par Xavi Hernandez. Qui voudrait notamment s'appuyer sur Ansu Fati ou aussi Ousmane Dembélé, qui faudra donc prolonger lui qui est actuellement en fin de contrat. Et aussi il y a d'autres qui pourraient voir d'un bon oeil cette arrivée de Xavi. Ce sont les jeunes du Barça, à commencer notamment par Ricky Puig, qui n'est très clairement pas dans les plans de Ronald Koeman. Alors, qui dit donner la chance aux jeunes, j'ai dit pour. Alors les frérots, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez et comment vous voulez que Xavi Hernandez mène le FC Barcelone. Alors si vous êtes supporter, n'hésitez pas à dire quel joueur que vous aimeriez qu'il recrute. Alors n'hésitez pas les frérots, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Je veux un maximum de likes les frérots. N'hésitez pas à commenter, donner vos avis. Nous sommes tous ensemble. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut.